Christus stationem clavesce, da quesus, ut cuius lucis mysteria in teba coniovius, eius quoque gaudis in cielo perfumatum, vite cum vivite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Sobrie et iuste,
Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu sous Quirinius, gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville. Joseph aussi, venant de Galilée, de la ville de Nazareth, monta en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, il advint, pendant qu'ils étaient là, que s'accomplit le temps où elle devait enfanter. Et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il y avait dans ces parages des bergers qui campaient et veillaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici qu'un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Messie Seigneur, dans la ville de David. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange toute une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Vous pouvez vous asseoir un instant. Nous avons la joie d'accueillir pour cette fête de Noël M. l'abbé Emmanuel Pujol, prêtre espagnol incorporé temporairement dans la fraternité et qui va dans quelques jours rejoindre notre mission en Colombie. Nous l'assurons de nos prières. Nous accueillons aussi l'abbé Ferdinand Fegali, séminariste de troisième année à Wiegratzbad. Merci à eux de venir nous prêter main forte. Cette messe est célébrée à l'intention des fidèles et de ceux qui s'unissent à nous par la rediffusion de nos offices sur Internet. La quête de cette messe est destinée à l'association SOS Chrétiens d'Orient. Je tenais à vous souhaiter à tous une joyeuse et sainte fête de Noël, que le Sauveur vous comble de sa paix et vienne dissiper les ténèbres du mal et de l'erreur. J'en profite également pour remercier tous ceux qui se dévouent pour la beauté de nos cérémonies, les musiciens, choristes, organistes, fleuristes, sacristains, portiers, à tous un très grand merci. Enfin, vous trouverez à l'entrée de cette église le bulletin Introibo pour ce temps de Noël et le mois de janvier. Et Marie enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, lorsqu'un enfant vient au monde, il se trouve toujours des parents, des amis ou même des inconnus pour dire qu'il ressemble à sa mère. Pour la première fois, en cette nuit sainte, on pouvait dire que c'était la mère qui ressemblait à l'enfant. Quel paradoxe, en cette nuit de Noël, car l'enfant qui naît à Bethléem a créé sa propre mère. Car celui qui vient au monde cette nuit est le Verbe de Dieu. Dans l'éternité sans âge, le Verbe était avec Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien ne s'est fait de ce qui a été fait. Mais en la nuit de Noël, le Verbe sorti de Dieu naît dans le temps. Beata es Maria, vous êtes bienheureuse, Vierge Marie, qui avez porté en votre sein le Créateur de toutes choses. Genuisti qui te fecit, vous avez engendré celui
qui vous a créé et vous restez vierge pour l'éternité. Mais regardons de plus près, approchons-nous de l'endroit où se trouve ce nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. La scène nous est familière. Depuis notre tendre enfance, nous la connaissons bien, nous la connaissons trop. Nos crèches, bien propres et bien ornées, nous feraient presque oublier la triste et dure réalité de la nuit de Noël. Approchons-nous de l'endroit où se trouve l'enfant, avec un regard neuf, mais aussi un regard de foi. C'est bien dans l'un des lieux les plus souillés de ce monde, dans une étable, que naît celui qui est la pureté. Celui qui plus tard sera mis à mort par des hommes agissant comme des animaux sans raison, naît au milieu des animaux. Celui qui est le pain vivant descendu du ciel est couché dans une mangeoire. Qui aurait pu imaginer que celui qui réchauffe la terre par le soleil aurait un jour besoin d'être réchauffé par l'haleine d'un bœuf et d'un âne? Que celui qui couvre les champs de l'herbe et des fleurs serait lui-même dans la nudité? Que celui qui a façonné les étoiles et les mondes serait un jour un si petit enfant que ses bras trop courts ne pourraient atteindre les grosses têtes de l'âne et du bœuf? Que les pieds qui parcouraient les collines éternelles seraient un jour trop faibles pour marcher? Que le Verbe éternel serait muet? Que la toute-puissance serait enveloppée dans des langes? Que le Sauveur du monde serait couché dans une mangeoire? Personne au monde n'aurait pu supposer que Dieu, venant sur la terre, s'y trouverait dans une telle impuissance et un tel dénuement. Et c'est justement pour cela qu'il y en eut tant qui ne le reconnurent pas et que seuls quelques bergers vinrent l'adorer. Sans la foi, impossible de voir autre chose que la pauvreté, la misère, la saleté. Mais avec la foi, impossible également de ne pas entendre les anges chanter le Gloria. Impossible de ne pas être rempli de cette grande joie qui est pour tout le peuple, car il nous est né cette nuit un Sauveur, qui est le Verbe de Dieu, le Fils de David, le Roi des nations. Impossible de ne pas voir se réaliser en lui les prophéties de l'Ancien Testament et s'accomplir l'espérance de tant de siècles depuis la chute de nos premiers parents. Ce sont donc des bergers qui furent les premiers témoins de l'aurore du salut. Puis quelque temps après, ce seront des mages, des simples et des savants, ceux qui reconnaissent qu'ils ne savent rien et ceux qui reconnaissent qu'ils ne savent pas tout. En revanche, ceux qui croient tout savoir ne le reconnurent pas et ne pourront jamais le reconnaître. Dieu ne peut rien dire à l'orgueilleux, seuls les humbles peuvent l'entendre. Ce modèle de l'humilité trouve sa plus parfaite expression cette nuit en Marie. Virgo Dei Genitrix, ô Vierge, Mère de Dieu, celui que tout l'univers ne peut contenir, s'est en fait homme, s'est enfermé dans votre sein.
en cette nuit de Noël, vous le mettez au monde, vous le donnez au monde. Vous demeurez pourtant toujours l'humble servante du Seigneur. Contemplant et méditant en votre cœur les merveilles de Dieu, obtenez-nous, ô Vierge, ô Mère de Dieu, obtenez-nous une foi capable de voir notre Sauveur en cet enfant nouveau-né. Obtenez-nous une humilité capable de l'entendre parler à nos âmes. Obtenez-nous une espérance capable de le désirer plus que tout. Et obtenez-nous une charité capable de le prendre en nos bras, de le serrer contre nos cœurs, de le porter en nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
secula secula. Angelina.
sociale formati, audemus dice, pater oster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Thank you.
Thank you.
Dominus